Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme annoncé, 2N TV ouvre donc son plateau spécial l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons être en direct jusqu'à 20h, jusqu'à l'arrivée du président Laurent Gbagbo à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On vous a dit que vous allez vivre cet événement comme si vous étiez là. Voilà, donc on vous demande déjà d'être avec nous. Nous allons vivre ce grand événement aujourd'hui, jeudi 17 juin 2021, le retour du président Laurent Gbagbo dans son pays. On le sait tous, depuis le 11 avril 2011, le président Laurent Gbagbo a été donc arrêté dans sa résidence à Abidjan et quelques mois après déporté à La Haye pour y être jugé. Et le jugement a pris fin le 31 mars dernier. Il a été acquitté, il a été libéré. Le président Laurent Gbagbo retourne donc dans son pays. Nous demandons à tous, nous demandons à tous donc de se concentrer sur cet événement que les Ivoiriens sont en train de vivre. Tous les Ivoiriens sont venus de partout, sont venus à Abidjan pour accueillir le leader charismatique, le président Laurent Gbagbo. Je suis sur ce plateau avec un grand homme que vous connaissez, un journaliste de 2N TV, voilà, qui s'occupe spécialement des grandes émissions, Monsieur Excellence Zadi. Voilà, avec lui, nous allons donc parler de cette situation en attendant que nos invités nous rejoignent sur ce plateau. Excellence Zadi, bonjour. Excellence Zadi, vous nous recevez, bonjour. Oui, bonjour, Ananias Dago, cher collaborateur, directeur des programmes de 2N TV. Alors, nous disons bonjour à tous les téléspectateurs de 2N TV, la diaspora s'exprime. Nous saluons également tous les Ivoiriens qui sont mobilisés aujourd'hui en Côte d'Ivoire et de partout le monde. La diaspora a eu suffisamment à parler sur les antennes de 2N TV pour parler justement de ce retour du président Laurent Gbagbo. Au-delà, nous remercions tous les Africains qui ont pris une part active dans ce combat. Aujourd'hui, c'est l'épilogue. Oui, parce que tant que le président Laurent Gbagbo n'était pas encore rentré en Côte d'Ivoire, ce combat avait un goût d'inachevé. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons Tout à l'heure, la réalisation pourra nous le permettre. Nous avons eu déjà des premières photos, premières images. Ce que nous devons savoir, lorsque nous avons écouté également la presse internationale, qui en fait un événement en mondiovision planétaire, effectivement, le président Laurent Gbagbo, avec quelques minutes de retard, a décollé depuis bientôt 2 heures de temps de Bruxelles, de l'aéroport de Bruxelles, en route pour Abidjan. Ce n'est plus lointain, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus une spéculation, c'est une réalité. Et d'ici 15 heures, donc 45 ou bien 16 heures, heure d'Abidjan, ce sera chose faite lorsque l'avion va atterrir sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le président Laurent Gbagbo sera accueilli par les Ivoiriens, par tous ceux qui l'attendent actuellement à Abidjan. Donc, nous remercions donc la réalisation de 2N TV pour qu'ils organisent bien ce plateau pour que cette édition spéciale, pour que nous puissions, cette édition spéciale, pour que nous puissions parler de cet événement, vivre cet événement en direct avec tout le monde. Parce que depuis bientôt une dizaine de jours, 2N TV a accompagné ou 2N TV a décidé jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo mette pied en Côte d'Ivoire de concentrer son actualité sur ce grand retour, sur ce grand jour. Le jour J est aujourd'hui. Donc, je pense que nous invitons
tous les Ivoiriens, tous les spectateurs à suivre 2N TV parce que 2N TV est au cœur de l'événement. Je vous remercie. Merci, Excellence Zadi. Voilà, avec mon confrère, nous allons vous entretenir pendant plusieurs heures. Vous allez vivre cet événement, comme il l'a dit, comme si vous y étiez. Tout à l'heure, vous aurez des images chaudes qui viennent donc de Bruxelles. Voilà l'embarquement du président Laurent Gbagbo, on va le dire ainsi. Voilà son arrivée à l'aéroport et la petite ambiance dans l'avion. Voilà, vous allez tout à l'heure vivre cela. Mais avant, la régie, nous avons notre façon d'accueillir donc cet événement et on va donc vous donner un produit maison. Merci, la régie. Tous ces Ivoiriens, ils te regardent. Petit, ces Ivoiriens-là, ils te regardent. Tati Nicolas, yo! 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 Est-ce qu'on peut s'applaudir? C'est comme ça, je suis. Je vais dire seul nom. N'ayez pas peur. Ils sont un mois. Je peux compter sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, je pense que tous les Ivoiriens ont répondu oui. Et cet après-midi, Port-Boué sera bondé du monde. Ils sont venus de partout pour donc accueillir le leader charismatique, le président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, comme on l'annonçait, nous allons voir les premières images du côté de Bruxelles. Le président Laurent Gbagbo a donc pris l'avion ce matin, le disait tout à l'heure Excellence Zadi, ça fait 2 heures du temps que l'avion est donc dans l'air et nous allons donc voir les premières images. La régie. Tous les journalistes sont déjà là. Vous voyez là-bas. Vous les voyez là-bas, c'est les journalistes. Voilà. Ils sont prêts. Parce que le livre va sortir par là. Là. Oh. Hé, hey, partagez famille. Je suis calé, non? Ça chauffe pas. After pivoting my B&B to a haunted hotel, this different helped me redesign my site. My website used to be a ghost town. Ça chauffe pas, famille. Ça chauffe pas. Voilà, on a une sœur qui était donc là à l'aéroport et de là-bas, elle nous a permis d'avoir les images, elle a fait un direct et c'est à cela que nous. Donc, voilà, les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont effectué le déplacement ce matin. Voici. C'est un mot, je dis présent. Je suis là, j'attends le président. Nous sommes là, avec nous sommes là, nous sommes là. Je suis avec nous sommes là. Je suis avec Thierry Jo. On est venu dire au président qu'on est derrière lui. Le grand frère. Yes. L'artiste de Woody. Diamo. Nous sommes à l'aéroport. Voilà, on attend l'arrivée imminente du président Laurent Gbagbo. Voilà, nous l'accompagnons à l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport international de Bruxelles, donc à Zaventem. Voilà, nous sommes à l'aéroport international de la Belgique. Il y en a parmi nous qui. On attend le président Laurent Gbagbo. Merci, merci. Merci à vous. Sergent, un petit mot. Ben, on est là. On est là, on est là, on est là. On attend le vieux. Il viendra pour que nous puissions lui dire au revoir et puis dire aux Ivoiriens qu'il arrive. Voilà, on est là.
On est venu se rassurer. Regarde, mets ta caméra là-bas. Tu vois tout cela là. Vous voyez tout cela. Voilà, vous les voyez. Nos copains. Tu veux. Voilà, on va dire merci. Attends, ça chauffe pas. Toi, mais tu connais à faire là. Voilà, vous avez peut-être reconnu. Excellence Zadi, vous avez reconnu des grands artistes de Côte d'Ivoire, Serge Kassi, Gadi Séli, tu peux. Aide-moi, comment s'appelle l'autre l'artiste François Kensi. Voilà, François Kensi. Voilà, mais on avait quand même appris que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas manifester, on ne pouvait pas venir à l'aéroport. Mais les Ivoiriens ont quand même tenu à venir à l'aéroport de Bruxelles. Oui, nous le remarquons bien que les artistes qui ont pris une part active dans la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo depuis une dizaine d'années, ont tenu avec à leur tête leur président, le président du collectif, le président Gadi Séli Saint-Joseph, que nous avons d'ailleurs reçu sur le plateau il y a deux jours, de 2NTV, alors qui était avec ses collaborateurs immédiats, François Kensi et Serge Kassi. Oui, pour achever le travail qu'ils ont fait durant ces 10 années. Mais en même temps, pour signifier au monde entier leur attachement au président Laurent Gbagbo. Oui, la question que, bon, le problème des rassemblements, c'est évident. L'Europe, toute l'Europe vit une crise sanitaire sans précédent. Donc, les citoyens même des pays sont reclus. C'est timidement qu'on les libère. Alors, lorsque la Belgique interdit, et cela, ce n'est pas un petit groupe, mais c'est une foule importante, comme le fait, par exemple, en France. Les Ivoiriens vont le faire aujourd'hui en France, à la place de la République, pour assister en audiovision sur l'écran géant l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Abidjan. C'est ce rassemblement, cette foule nombreuse que les autorités belges ont refusé, mais le président Laurent Gbagbo, bien évidemment, a peut-être introduit une shortlist sur laquelle on avait des noms bien triés sur le volet qui devaient être forcément là pour qu'il embarque. Et c'est ce que les artistes que nous avons vu tout à l'heure en images ont fait. Sinon, au départ, ce qui avait été prévu dans la diaspora, c'était de convoyer des cars à Bruxelles, parce que c'est ce qui a été fait tout le temps durant ces 10 années à La Haye, et donc c'est ce qui devait se faire. Mais crise sanitaire oblige, moi je pense bien que en dehors de la raison de la crise du Covid-19, il n'y a pas une autre raison suffisante qui ait pu militer chose en faveur d'une grande foule. Pour dire que les Ivoiriens n'ont pas voulu rater cet événement, et dans la diaspora, ils étaient là. Et les premières images prouvent que les Ivoiriens étaient là pour immortaliser cet événement, lorsque le président Laurent Gbagbo marche sur l'échelle pour entrer dans l'avion, pour immortaliser cela, parce que nous sommes des acteurs majeurs de cet événement que nous ne le voyons pas. Mais d'ici quelques années, ce sera historique, ce sera dans les livres. C'est un événement historique. Et beaucoup d'Ivoiriens ne veulent pas se laisser compter cet événement. Ils veulent le vivre eux-mêmes. Ce qui explique ce que nous avons vu à Bruxelles. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Voilà, nous disons merci à cette sœur qui s'est disposée, qui était donc à l'aéroport ce matin et qui nous a donné donc cette vidéo. Et merci également à ces artistes, François Kensi, Serge Kassi, Gadi Séli, voilà, qui on sait tout ce qui se passe en ce moment.
ben, à visage découvert, hein, qui ont manifesté, qui nous ont dit leurs émotions et tout ça, leurs ressentis. Voilà, par rapport donc à cet événement, on voudrait leur dire merci. Le disait tout à l'heure, hein, il le disait tout à l'heure, Excellence a dit, il y a deux jours, nous avons reçu Gadi Séni sur notre plateau, voilà, et il avait déjà annoncé cela, il est en exil, il faut le rappeler, et je crois bientôt, il va rentrer en Côte d'Ivoire, parce que le retour du président Laurent Gbagbo, c'est également le retour de tous les exilés. Voilà, on l'a dit, hein, nos invités, toute personne aujourd'hui qui souhaite donc participer à cette émission spéciale, est prié de nous contacter juste actuellement au 0039 329 244 67. Voilà. Et nous allons vous envoyer le lien, nous allons vous envoyer le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous nous envoyez juste un petit message que je voudrais participer. Nous, on vous envoie le lien. C'est une émission spéciale. On vous envoie le lien pour parler donc du président Laurent Gbagbo. Voilà. On a donc un invité qui vient de nous rejoindre. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà. C'est un jour spécial. Nous parlons du président Laurent Gbagbo. Voilà. Il s'agit donc de Dr Alessi Foy qui était hier sur notre plateau. Il revient pour parler donc du président Laurent Gbagbo. Voilà, merci. On va vous revenir tout à l'heure. Ben, Excellence Zadi, dites-nous comment historique. Tout à l'heure, vous parliez un peu de cet événement dont les gens vont parler d'ici peut-être 10 ans, 5 ans, cet événement qui sera dans les livres. Parlons un peu, est-ce que vous pouvez un peu nous faire un flashback cette histoire qui a commencé réellement dans les années 90, l'histoire de Gbagbo Laurent du Front populaire ivoirien. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler certains faits? Oui, Laurent Gbagbo a un parcours exceptionnel. Vous avez parlé des années 90, mais son parcours ne commence véritablement pas en 1990. Et lui-même, lorsqu'il se révèle au monde entier, en tant que opposant qui a été le premier à être candidat contre le premier président de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, en 1990, au moment où le multipartisme a été donc remis en selle par la Constitution de 1960 qui prévoyait en son article 7 le multipartisme. L'article 7 qui n'avait jamais été appliqué. Alors, je veux faire une petite digression à ce niveau. Lorsqu'on est en 1990, on parle de retour au multipartisme. Beaucoup ne comprendraient pas pourquoi on parle de retour au multipartisme. Parce que pour les jeunes gens que nous étions à l'époque, des faits, pour nous, c'est la première fois qu'on voyait que l'État de Côte d'Ivoire, sinon le parti unique PDC-RDA de l'époque, autorisait d'autres partis, hein, des partis autres que le parti État PDCI qu'on connaissait. Mais on parle de retour parce que déjà, c'est en 1944 que, après les États généraux de la colonisation qu'on a baptisé abusivement ou bien pompeusement conférence de Brazzaville, que l'État colonial français, qui ne s'était pas encore libéré du nazisme, décide hein, que les pays colonisés devraient avoir une vie politique. Et donc, en 1944 déjà, naît déjà la vie politique, avec la naissance du syndicat agricole africain que Boigny et certains de ses amis ont créé. Et c'est ce syndicat agricole qui donne naissance au PDCI RDA le 9 avril 1944. Mais avant cela, en 1945, quand il y a eu la constituante, les élections constituantes pour élire des députés pour la nouvelle constitution de la France après la Deuxième Guerre mondiale, la constitution de 1946, donc l'Assemblée constituante, les colonies ont envoyé des représentants au Palais Bourbon. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a ouvert sa politique avec le multiparti. Il y avait beaucoup de partis. De 1945 jusqu'à 1951,
C'est en 1951 au stade Jean-André que le président Houphouët-Boigny fait un discours où il demande aux autres partis de se fondre dans le PDC-RDA. C'est comme ça que naît le parti unique. Donc, la 1990, c'est un retour au multipartisme. Et donc, avant cela, le président Laurent Gbagbo, dans son parcours, déjà en 1969, avec, quand il était à l'université, au moment de la naissance du MEI, il s'était vigoureusement opposé à cela. Et c'est comme ça qu'il fait, pour la première fois, la prison. Il n'était pas seul d'ailleurs. Il s'est opposé à la naissance du MEI, que donc, dans leur génération, il y avait Djedjé Madi, le professeur Djedjé Madi, feu Jean-Jacques Béchiot, qui était du côté du PDCI, et lui, il était opposé à cela. Ce qui lui a valu sa première prison d'ailleurs. Donc, c'est dans les années 1970 qu'il commence véritablement sa contestation du parti unique. Ce qui lui vaut une prison à faire, qu'on va muer en service militaire de 1970 à 1973, 1971 à 1973, après la prison de Séguéla. Bref. Et donc, il est maintenant enseignant à l'université, directeur de l'IHA, c'est-à-dire l'Institut d'Histoire, d'Art et Archéologie. Et c'est comme ça que le président Laurent Gbagbo participe à des débats avec les professeurs Zadi Zaroui et bien d'autres professeurs pour vraiment mettre les choses sur la place publique, l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est dans ces années-là, surtout en 1982, une conférence de presse qui devait être organisée à la Cité Rouge est interdite et les étudiants se mettent en grève. Le CINARES, dont le président Laurent Gbagbo était membre, décide également d'être en grève pour soutenir justement les étudiants. C'est ce que le PDCI et Houphouët-Boigny vont appeler en son temps le complot des enseignants pétés. Et on a tous vu l'histoire, nous autres, qui étions très très jeunes à l'époque, que des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne de l'ethnie Bété ont formé un groupe pour aller faire allégeance au président Houphouët-Boigny pour désavouer les enseignants au titre desquels on pouvait compter le président Laurent Gbagbo, le professeur Pierre Kipré, le professeur Bernard Zadi Zaroui, et j'en passe. Et c'est comme ça que, en 1983, déjà clandestinement, le Front populaire ivoirien était déjà né, avec Feu Boga Doudou, Feu Sangaré Abdourahmane, Madame Eyuve Simone Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, Pascal Kokora. Et puis donc, le Front populaire ivoirien naît dans la clandestinité, déjà en 1982. Mais lorsque il estime, ou bien ses camarades estiment que sa vie est menacée, c'est comme ça que ses camarades lui demandent d'aller en exil. Et l'exil intervient donc en 1983. En 1983, lorsqu'il arrive 1982-83, lorsqu'il arrive à Paris, en France, il fait un ouvrage pour annoncer ses idées. Côte d'Ivoire pour une alternative, Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, qui sort en 1983. Voici l'ouvrage qui fait connaître véritablement le président Laurent Gbagbo aux Ivoiriens que nous étions. Les Ivoiriens de cette époque. Et c'est après avoir lu cet ouvrage-là que beaucoup d'Ivoiriens clandestinement ont cherché à adhérer au Front populaire ivoirien. Et donc, il est en exil de 1982, en passant par le Burkina jusqu'en 1988. Le président Houphouët-Boigny et le PDCI ont fait plusieurs tentatives pour justement le ramener en Côte d'Ivoire. Ces tentatives qui sont restées vaines, et au dernier moment, en 1988, il décide de retourner en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui a été consacré, Côte d'Ivoire, histoire d'un retour au pays. Justement, où il explique que la mission pour laquelle il était sorti est finie. Et il revient en 1988 en Côte d'Ivoire.
Lorsqu'il est reçu par le président Houphouët-Boigny, c'est là que nous le découvrions comme un homme téméraire, courageux. Où il disait ceci, lorsque Houphouët-Boigny se plaignait que le président Laurent Gbagbo a écrit beaucoup de livres, où il a gâté son oncle, parler terre à terre, il disait, non. Monsieur le président, certes j'ai écrit des livres, mais c'était tout simplement pour participer à l'avancée politique de mon pays, à l'avancement politique. Donc, si j'ai écrit des choses qui vous ont fait mal, je vous demande des excuses, je vous présente des excuses. Là où les gens s'attendaient que le président Laurent Gbagbo demande pardon, lui, il a présenté des excuses. Et il continue. Je suis rentré pour vous aider au développement de la Côte d'Ivoire, pour qu'on construise ensemble. Mais de par ce discours, on avait déjà vu qu'il annonçait, on était en septembre, le 13 septembre 1980, qu'il annonçait déjà son grand retour de façon fracassante. Mais à partir de là, il va connaître des problèmes avec son épouse Simone Gbagbo, résidence surveillée, et par-ci, par-là. Et c'est comme ça que, de façon clandestine, le congrès du FPI se tient en novembre 1988 avec 20 membres, donc le congrès constitutif, dans une palmeraie quelque part à Dakar. Et donc le FPI naît officiellement. Officieusement, c'était chose. Voilà, mesdames et messieurs, on a un petit souci technique avec notre frère Excellence Zadi. Avec notre frère Excellence Zadi, voilà, et qui va nous revenir tout à l'heure. On va demander à la régie de nous mettre des éléments visuels, voilà, pour vivre vraiment cet événement tout à l'heure. On vous le disait, ce matin, nous avons déjà eu des images, des vidéos depuis la Bruxelles. Voilà, et on demande. Voilà, merci. Excellence, vous nous recevez? Oui, oui. Oui, on avait quelques petits soucis. Donc, on était concentrés, hein, parce que on le sait, vous êtes en train d'ajouter votre touche d'historien. Et ça nous fait plaisir, donc on vous écoute. Aujourd'hui, c'est le jour du président Laurent Gbagbo. C'est tout toujours bon d'attendre un historien parler du président Laurent Gbagbo. Voilà, donc le président Laurent Gbagbo revient de l'exil. Il rencontre le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà, et lui tient le discours qu'il pouvait lui tenir. Je crois que le président Félix Houphouët-Boigny s'est retrouvé dans le discours du président Gbagbo. Oui, il s'est retrouvé dans ce discours parce qu'il s'est vu des années en arrière, de 1932 déjà, où il disait aux Blancs avec une lettre « On nous a trop volé ». Mais à partir de 1944, avec son syndicat agricole africain qui va donner naissance en 1945, le 9 avril, au PDCI, en 1946, pardon, au PDCI, et même au Palais Bourbon, où il a été rapporteur d'une loi qui porte son nom, la loi Houphouët-Boigny qui abolit le travail forcé. Donc, il s'est vu tout de suite, lui-même, étant, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Et il a dit, bon, vous êtes enseignant, vous êtes revenu chez vous, vous avez votre place qui est là, et nous estimons que, j'estime que ce que vous avez écrit, vous allez enseigner ça aux enfants. Bon, et puis ça a rigolé. Mais toujours est-il que ce n'était pas le scénario prévu par le président Houphouët-Boigny et le PDCI RDA. Pour eux, le président Laurent Gbagbo allait se mettre à genoux pour demander pardon, comme s'il avait fait quelque chose de grave en réclamant le multipartite. Bref, nous étions en 1988, donc le FPI va se constituer avec le congrès constitutif d'Abou, avec 20 membres. Et à partir de là, 1989, il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la crise économique qui a frappé à partir déjà des années, du début des années 1980, mais durement 1988, l'État de Côte d'Ivoire recherche des solutions à cette crise.
C'est ainsi qu'en 1989, c'est d'ailleurs le dernier conseil national que le PDCI-RDA organise, où le président Houphouët-Boigny et le bureau politique du PDCI va demander aux Ivoiriens de contribuer à renflouer les caisses de l'État. Et puis, bon, après cela, on a parlé de grand banditisme, mais nous, on a compris que c'était un emprunt obligataire de toute la population ivoirienne à laquelle on demandait 25 francs CFA, 10 francs CFA, 100 francs CFA, chacun selon ses moyens, pour constituer une cagnotte à l'effet de lutter contre le grand banditisme. Nous, on avait déjà compris que l'État manquait cruellement de l'argent. Mais au cours de ce dernier conseil national du PDC en septembre 1989, la question du multipartisme a été évoquée par Été Marcel. Feu Été Marcel, à l'époque, qui était le secrétaire général du CINARE. Et le président Houphouët-Boigny, qui ne voulait peut-être pas de cette, qui ne voulait vraiment pas de choses du multipartisme, va répondre au professeur Été Marcel avec une boutade pour lui dire comme ça que vous qui parlez de démocratie, de multipartisme, allez vous présenter chez vous à Jacquesville et Gbagbo Laurent, alors que Gbagbo Laurent n'était pas présent, va se présenter chez lui à Gagnoua, personne d'entre vous n'aura une voix, ou n'aura seulement qu'une voix, c'est-à-dire sa propre voix. Sinon, personne ne vous aime ici et personne ne vous vote. Mais Houphouët-Boigny ne savait pas ce qui allait arriver, puisque, entre-temps, la guerre froide commençait à prendre fin. Et on est en 1989 et que le mur de Berlin va s'écrouler en novembre 1989, qui met définitivement fin à la guerre froide. Non, il n'y avait plus tellement de compétition Est-Ouest. Et les peuples aspiraient à une autonomie, à une souveraineté. Beaucoup de peuples, d'ailleurs. C'est ainsi qu'il y a eu le discours de la Baule en 1990, début 1990, fin 89, début 90, c'est-à-dire le sommet France-Afrique, où le président français François Mitterrand va conditionner désormais l'aide publique aux États africains à une ouverture démocratique. On a appelé ça le discours de la Baule. Mais entre-temps, avec la fin de la guerre froide, de nouvelles théories, de nouveaux paradigmes vont se présenter à la jeunesse, aux étudiants que nous étions. Et c'est ainsi que, de plus en plus, parce que le dernier conseil du PDCI va mettre des mesures drastiques. Mais déjà, à partir des milieux des années 85, l'université avait déjà des problèmes. Donc, tout ceci sera cristallisé par cette période. Et donc, on arrive en début 90 février et en plein partiel, les étudiants sont en plein partiel, coupure d'électricité, paf, manifestation, et c'est, on part de là, grève sur grève, et le multipartisme, le 30 avril, est finalement cédé. Donc, le PDC lâche du lest. Le Front populaire ivoirien, avec à sa tête Laurent Gbagbo, secrétaire général du Front populaire ivoirien, est le premier parti à déposer ses papiers pour qu'il soit reconnu comme parti à la préfecture de police. Et donc, en mai déjà 1990, le FPI avait son récépissé. À partir de là, il va essaimer toute la Côte d'Ivoire pour essayer de s'implanter sur cette chose. Et c'était l'effervescence. Et c'est comme ça que les Ivoiriens adhèrent massivement au discours nouveau, parce que la politique aussi, c'est le discours. Et le président Laurent Gbagbo venait avec un discours de rupture, c'est-à-dire qu'il fallait rompre avec l'ancien système de gouvernement pour un nouveau système de gouvernement. Et ça, les Ivoiriens ont adhéré à ce discours. Et de façon historique, l'acte majeur que le président Laurent Gbagbo pose avec le Front populaire ivoirien en 1990, c'est le fait d'être candidat.
contre le président Houphouët-Boigny. Au moment où les autres partis, à l'époque des faits, il y avait la coordination démocratique des quatre partis de gauche, le PID, le Front populaire ivoirien, l'USD, et puis le Parti socialiste ivoirien. Ces partis ne voulaient pas, tant qu'il n'y avait pas de concertation ou conférence nationale, parce que c'était ça à la mode en Afrique, après 1990, les conférences nationales partout, dans toute l'Afrique francophone. Et voilà. Donc c'est comme ça que, à partir de 1990, Laurent Gbagbo entre dans le cœur des Ivoiriens. Et de là, jusqu'en 2000, il fait son chemin. Et en 2000, il a la consécration suprême lorsque, contre le général Guéï, il gagne les élections de façon démocratique. Et le président Guéï, ne voulant pas laisser, parce que c'est un militaire, il voulait faire le pronunciamento, c'est-à-dire établir l'ordre Kachi à Abidjan. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est là que les Ivoiriens vont découvrir en lui encore une autre témérité lorsqu'il lance un appel aux Ivoiriens pour dire « descendez dans la rue pour récupérer ce pouvoir ». Et c'est ça qui marque véritablement les esprits. Il devient donc président, malheureusement, 18 mois après. Mais déjà même avant, déjà… Voilà, on va tout à l'heure revenir… Merci, Excellence Zadi, c'est votre passion. Nous compter les faits passés, c'est votre passion. C'est ce que vous savez faire, vous êtes professeur d'histoire. Donc, ce matin, voilà, je pense qu'on va beaucoup apprendre. Mais on va, sur l'ambiance qui fait bon en ce moment, du côté de la Côte d'Ivoire. Ici, nous avons la population de l'Ouest qui est en train de venir sur Abidjan pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Voilà tout ce monde qui est en train de converger donc vers Abidjan pour accueillir le leader charismatique, le président Laurent Gbagbo. Nous rappelons que depuis 2011, le président Laurent Gbagbo a été déporté donc à La Haye, où il a fait face à un procès, voilà, un long procès et qui a duré plus de 7 ans. Le président Laurent Gbagbo, le 30e mars dernier, a été acquitté. Il retourne dans son pays. Ses partisans sont donc contents. Et aujourd'hui, Abidjan, c'est une ambiance sur ce plateau. Nous avons Excellence Zadi, présentateur sur 2N TV. Excellence Zadi qui s'occupe donc de la question politique sur 2N TV. Et sur ce plateau, mais lui aussi qui est un historien et nous parle un peu donc de la vie politique du président Laurent Gbagbo. Voilà, Excellence Zadi, on va continuer. On était déjà où? On était déjà en 2000, où le président Laurent Gbagbo, en octobre 2000, il est président, élu président, malgré le système de confiscation mis en place par le général Guéï. Le peuple de Côte d'Ivoire va faire corps avec le président Laurent Gbagbo, parce que pour le peuple, c'est lui qui incarnait mieux ses aspirations. Il avait déjà démontré durant ses 10 années d'opposition civile. Et pour lui, durant cette période d'opposition, il a toujours proclamé la transition pacifique à la démocratie. Qu'est-ce à dire? C'est un homme violent. C'est un homme de paix. C'est quelqu'un, malgré les situations difficiles qui se sont présentées, où dans certains pays, des rébellions s'élèvent
On était à l'époque, dans la guerre froide, avant 1990. Non, il suffisait de mettre en place un mouvement marxiste. Et puis, bon, l'URSS de l'époque venait avec des armes vous soutenir et vous combattez l'État central et vous venez au pouvoir. Maintenant, le président Laurent Gbagbo a dit non, transition pacifique à la démocratie. Mais que de brimade! Parce que le PDCI, ce n'était pas sa culture. Certes, a été contraint d'accepter le multipartisme, mais il n'y avait pas de démocratie. Donc, le parti unique et avait encore de beaux jours devant lui dans les faits, c'est-à-dire dans son fonctionnement de l'État. Mais dans les faits, on a dit, bon, c'est le multipartisme, mais en application même des règles de multipartisme et de démocratie, c'était encore d'autres combats que le président Laurent Gbagbo a gagné avec les Ivoiriens. C'est comme ça que les Ivoiriens lui accordent. Sacré Laurent Gbagbo, homme, sacré Laurent Gbagbo, homme de paix. Voilà cette manifestation de 2000 qui rentre vraiment dans l'histoire, mais qui est une qui démontre, qui montre que le peuple de Côte d'Ivoire avait répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo, cet appel qui devait donc amener notre nation à gagner ce combat de la démocratie. Parce que là où peut-être l'armée aurait intervenu pour soutenir le président élu, c'est le peuple qui est descendu dans les rues pour réclamer donc la victoire, pour remettre donc le fauteuil à celui qui l'avait élu en 2000. C'était vraiment un combat démocratique. C'est ça, l'homme de paix. Oui, et après, qu'est-ce qu'il fait? Le président Laurent Gbagbo ne met pas Guy Robert en prison, malgré qu'il y avait quand même eu des morts. Il y avait eu des morts pendant ces manifestations. Il y a eu des morts. Très bien. Vous faites bien de souligner cela. Par le fait donc, du président, du général Guy Robert, qui refuse de reconnaître sa défaite, quand bien même elle était évidente, puisque dans les casernes, il était militaire, mais dans les casernes, il était même battu. Excellence, vous allez nous excuser, vous allez poursuivre tout à l'heure, mais permettons-nous de saluer Docteur Alexis Fouabi qui vient de nous rejoindre. Docteur, bonjour. Oui, bonjour Ananias. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau une fois encore. Voilà, merci. Tout à l'heure, on revient à vous pour parler un peu donc de la question, je dirais, de droit dans ce procès que nous avons vécu. Tout à l'heure, vous qui êtes un professeur de droit, on va donc parler un peu de ce procès qui a duré 10 ans. Voilà, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est acquitté. On reviendra à vous tout à l'heure. On va permettre à Excellence Zadi de poursuivre. Donc, à 2000, le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, mais il ne poursuit pas Guy Robert. Oui, vous faites mieux de le souligner parce que le président Laurent Gbagbo n'arrive pas au pouvoir comme ça, par génération spontanée. Non, c'est un processus qui l'amène au pouvoir. C'est-à-dire, il y a eu le coup d'État de 1999, décembre 1999. Après ce coup d'État, il y a eu une sorte de constituante, mais que nous avons appelée en Côte d'Ivoire la commission consultative qui a écrit une nouvelle... Qui était dirigée à son temps par Honoré Dié, c'est ça? Oui. Et donc, il n'est pas initié par Honoré Dié, non, par tous les partis. Dirigé. Non. Il ne dirigeait pas ça. C'était tous les partis qui étaient dans cette commission. J'en arrive. Et cette commission consultative a écrit une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution a mis en son sein les instruments de démocratie que réclamaient le Front populaire ivoirien et Laurent Gbagbo, à savoir une commission électorale indépendante, à savoir une des urnes transparentes, ramener l'âge de la majorité à 18 ans pour le vote, etc. C'est donc cette nouvelle constitution qui met en place la commission électorale indépendante. Dans sa première formulation, on l'a appelée CNE, Commission nationale électorale, présidée par Honoré Dié. Et c'est elle qui organise le référendum de juillet
2000 qui donc met en place la constitution de la Deuxième République. Et cette constitution est promulguée en août 2000. Justement, donc, et c'est cette commission CNE que présidait Honoré Guey qui organise les élections de façon transparente et démocratique en octobre 2000. Et ce sont les résultats que le général Guey Robert conteste. Donc, quand bien même il a contesté de part, la contestation, il s'est accroché au pouvoir, il ne voulait pas partir parce que c'est ça qu'on appelle s'accrocher au pouvoir. Vous n'avez pas gagné et vous voulez dire que vous avez gagné, c'est ça. Malgré ça, il y a eu des morts, les Ivoiriens ont été tués. Et pendant que les Ivoiriens réclamaient le pouvoir pour le remettre au président Laurent Gbagbo, le RDR, à l'époque des faits, disait que le pouvoir était dans la rue. Et de par ces manifestations, il y a eu d'autres morts. Et on a parlé de Charnier de Yopougon, on a parlé de beaucoup de choses. Et vous voyez un peu, mais malgré tout ça, le président Laurent Gbagbo n'a pas mis Guey Robert en prison, ni Alassane Ouattara en prison, qui était le chef du RDR et qui a demandé au RDR d'aller dans la rue pour chercher un pouvoir et puis il y a eu mort d'homme. Non. Bien au contraire, il a invité le président Guey Robert à rentrer dans la République. Parce que le président Guey s'était réfugié d'abord à Tukuzu, aux Alem, chez Papa Nouveau. De là, il est parti dans son village à Kabakouma. Donc, il lui a demandé de rentrer dans la République. Il a demandé également à Alassane Ouattara de se joindre. On a parlé donc des quatre grands leaders. Et le président Laurent Gbagbo a organisé une rencontre à Yamoussoukro entre lui, Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et le général Guey Robert. Les images sont là, les vidéos sont là. Mais c'était pour lui l'occasion, comme il a lui-même dit tout le temps qu'il a été élu dans des conditions calamiteuses en 2000. Il était en train de chercher les voies et moyens pour que la Côte d'Ivoire se normalise. C'est ainsi qu'en 2001, il organise le forum de la réconciliation nationale à laquelle tout le monde participe, toutes les forces vives. Quand on est un homme comme ça, on est un homme de paix, un homme qui est disposé à aller de l'avant, à créer la cohésion nationale. Mais c'est cet homme-là qui a été attaqué en septembre 2002 par une rébellion sauvage, inutile, parce qu'aujourd'hui, si on demande... Voilà, on va s'arrêter là, parce que tout à l'heure, on va ouvrir une nouvelle page. Allez-y. Avec vous. Donc, on va s'arrêter là. Et tout à l'heure, on va être en direct avec un autre représentant du côté d'Abidjan pour vivre l'ambiance. Ça sera au téléphone, bien sûr. Voilà, il s'agit du journaliste Armand Bowie, qui est donc le représentant de Zen TV en ce moment à Abidjan. On l'aura tout à l'heure, la régie, dès que c'est possible. Vous nous faites signe. Et en attendant, permettez-nous de nous tourner vers Dr. Alexis Foy, enseignant en droit. Voilà, le président Laurent Gbagbo est dans l'avion, il va à Abidjan. Votre mot. Oui. On veut un peu savoir vos impressions actuellement. Oui, merci Ananias. Et c'est toujours la même chose, le sentiment de joie. Le sentiment de joie, et c'est ce qui est ressenti au sein de la population abidjanaise actuellement et même la population ivoirienne tout entière. Donc, nous avons vu les images, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, lorsqu'il montait dans l'avion, et déjà, certaines réactions au sein de l'aéronef nous montraient que vraiment, le président Laurent Gbagbo est une personnalité aimée à travers le monde, aimée à travers l'Afrique, et c'est l'homme du peuple, il faut le dire. Mais je dirais que à travers ces quelques images que nous avons vues au niveau des partisans qui sont en train de faire mouvement vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué actuellement, il y a certaines actions qu'il faut déplorer, voilà, de la part de nos autorités. Et cela laisse un froid. Et il faut dire que
nous voulons compter sur la bonne foi du RHDP, voilà, du pouvoir RHDP, et pour que la réconciliation ait lieu. C'est cela surtout. Nous voulons compter sur la bonne foi de ce parti-là. C'est vrai, le RHDP, comme le dirait l'autre, traîne des casseroles. Il y a trop de choses, trop de torts causés, voilà, au peuple ivoirien. Et à un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se dire qu'après tout, c'est pour des hommes qu'on arrive au pouvoir. C'est pour des êtres humains, c'est pour diriger des êtres humains, des hommes, qu'on arrive au pouvoir. Vous voyez, aujourd'hui, bien, malgré tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu advenir, le président Laurent Gbagbo rentre chez lui et il est de bon droit pour ses partisans de vouloir venir l'accueillir, de manifester leur joie. Mais les images que nous avons vues, il y a déjà des blessés, il y a déjà voilà, des images qui montrent voilà, des exactions contre les partisans. Ceux qui sont en train de voilà, qui sont en train de faire mouvement vers l'aéroport de Port-Boué, et cela n'est pas bien. Et nous, c'est pourquoi c'est en cela nous avions déjà attiré l'attention des autorités la dernière fois lors de l'émission passée, pour dire aux autorités et particulièrement au ministre de la Réconciliation que voilà, il fallait déjà voilà sensibiliser et envoyer des messages fort, des signaux forts à toute la population, à ceux qui sont encore voilà, attachés à certains intérêts, qui ne veulent pas la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est vrai que certains ne veulent pas par rapport à leurs intérêts, mais il faut le percevoir dans un sens global et dans un intérêt commun national. Et c'est cela, c'est ce qu'il faut. Mais il faut déplorer ce fait-là et nous nous posons beaucoup de questions en voyant ce qui se passe actuellement. Déjà, on nous fait croire que des microbes, voilà, comme on les appelle, sont déjà dans les rues et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que nous avons vu pendant la période de la présidentielle. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de poursuite contre tous ceux qui ont commis ces exactions-là, vous voyez. Ça, c'est l'intolérance, n'est-ce pas? Et il faudrait que le pouvoir RHDP fasse un effort voilà, pour que la réconciliation véritable ait lieu. Il ne faudrait pas qu'on soit chaque fois en train de voilà, faire des reproches à un pouvoir qui peut faire un effort, qui sait qu'il a les moyens de le faire. Vous voyez? Et là, ça nous met dans une position où nous disons qu'il y a une mauvaise foi, il y a un manque de volonté. Voilà. La volonté politique n'y est pas, la volonté du pouvoir RHDP pour une paix en Côte d'Ivoire n'existe pas. C'est ce que nous serons obligés de constater, n'est-ce pas, de dire. Et vous voyez à quoi cela conduira. Ça peut conduire à beaucoup de choses qui seront hors de contrôle, vous voyez, et nous ne voulons pas cela. Le combat que nous menons tous, c'est pour voilà, l'intérêt national, c'est pour la paix. C'est pour la justice sociale. Mais si nous voyons que ceux qui détiennent le pouvoir ne font aucun effort, ne ménagent aucun effort pour que ces valeurs-là puissent être vraiment implantées, nous, c'est vraiment écœurant. Vous voyez, en temps normal, je parle posément, mais si vous voyez que le ton est vraiment levé, c'est que la situation est grave, comme le dirait l'autre. Vous voyez, et nous pouvons faire cela, nous pouvons lever le temps, nous pouvons mener des actions. Ouais. Mais il ne faudrait pas que voilà, ce pouvoir-là, qui a causé trop de tort au peuple ivoirien, qui a causé trop de tort aux enfants de la Côte d'Ivoire, continue dans cette lancée-là. Il va falloir arrêter à un moment donné. Nous sommes dans une période de joie. Les partisans de Laurent Gbagbo veulent manifester leur joie. Ils sont très heureux, ils veulent accueillir leur leader. Et c'est tout. Ils n'ont demandé autre chose que ça. Mais s'il faut encore voilà, commettre des exactions sur cela, les empêcher d'aller à l'aéroport, je crois qu'il y a beaucoup de questions qu'il faille se poser et voilà, prendre acte. Merci, docteur Alexis Foy, voilà, qui a fait un peu le tour hein, de la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, on va revenir à lui parce qu'avec lui, on veut plus parler un peu du
du droit. On va parler, on va revenir un peu sur ce procès, voilà, qui a donc vu l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. On va revenir tout à l'heure, comme on l'a fait avec Excellence Zadi. Nous sommes un peu en train de vivre le passé du président Laurent Gbagbo, voilà, ce grand homme. Je voudrais dire à tous nos téléspectateurs, vous êtes aujourd'hui libres à participer à cette émission. Le numéro qui est au bas de l'écran, il suffit de le prendre sur WhatsApp. Tu nous envoies un message et nous, on t'envoie le lien. Et tout de suite, on te reçoit en direct pour que tu puisses participer à cette émission. Donc, prenez le numéro, envoyez-nous un message. Voilà, c'est le plus 39 351 28 45 486. Vous nous envoyez un message tout de suite et nous, on vous envoie le lien pour que vous participez. Maintenant, si vous ne voulez pas aussi physiquement participer, être sur le plateau, si vous voulez, vous appelez le numéro sur WhatsApp. Si vous avez quelque chose à dire, on va mettre au parleur et on va vous écouter. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous sommes là pour vivre cet événement historique, voilà, qui est donc le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après avoir passé 10 ans à l'extérieur. Mesdames et messieurs, on va souffler un peu sur ce plateau. On va demander à la régie également de nous faire souffler. Tous ces Ivoiriens, ils te regardent. Petit, ces Ivoiriens là, ils te regardent. Tati Nicolas, yo! 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 Est-ce qu'on peut s'applaudir? C'est comme ça, Yossi. N'ayez pas peur. Ils sont un mois. Je peux compter sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en bas, c'est une édition spéciale sur le retour du président Laurent Gbagbo dans son pays. On l'a dit tout à l'heure, tous ceux qui voudraient bien participer à cette émission, nous rejoindre sur ce plateau, le numéro qui affiche donc au bas de votre écran, il suffit de le prendre et puis nous envoyer un message sur WhatsApp, on vous envoie le lien et on vous a sur notre plateau. Si vous ne voulez pas aussi être sur le plateau, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp et participer. Voilà, nous vivons cette joie, nous partageons la joie avec les Ivoiriens. Voilà, merci. Merci donc d'être avec nous. Voilà, Excellence Zadi, on est toujours là et nous parlons de cet événement. Et tout à l'heure, avant de revenir sur donc, le récit que vous nous faisiez, tout à l'heure, Dr Alexis a quand même parlé de certaines choses qui sont importantes. Hier, nous avons vu cette vidéo de M. Issiaka Diaby, qui se dit président donc, des victimes, devant un lieu qu'on appelait la résidence du président Laurent Gbagbo, prononcer des paroles vraiment hein, où il parle de plan B, on ne sait pas ce qu'il dit. Aujourd'hui, tout à l'heure, il a dit, docteur Foy, les Ivoiriens qui sont sortis pour accueillir le président Laurent Gbagbo, comme on le dit, entre guillemets, sont gazés. Qu'est-ce que vous pouvez un peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Vous savez, pour nous autres qui sommes engagés dans ce combat depuis des décennies, nous avons vécu sous tous les régimes en Côte d'Ivoire. Le régime du Parti unique, le régime de transition, si vous voulez, avec le multipartisme, mais c'était toujours un régime qui avait les réflexes du Parti unique. Jusqu'en 1990, le régime militaire. Ensuite, le régime qui voulait instaurer une véritable démocratie, celui de Laurent Gbagbo, on a vu ce qui s'est passé. Donc, et aujourd'hui. Mais jamais
nous n'avons vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Même au temps du parti unique où la répression faisait partie du mode de fonctionnement de du parti-État, mais on n'a jamais vu ce qui se passe depuis une décennie en Côte d'Ivoire où le régime, parce que c'est un régime, c'est même pas un pouvoir, parce qu'un pouvoir, il a des principes de fonctionnement, mais un régime aussi a ses principes de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est le totalitarisme, c'est pour ça qu'on parle de régime. La différence entre un régime politique et un pouvoir politique. C'est un pouvoir politique, il y a des mécanismes de fonctionnement de l'État, de l'administration. Mais un régime, dans un régime politique, le pouvoir, les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul individu. Voilà. Donc, dans ce régime que nous vivons, c'est le totalitarisme. Mais du jamais vu où le pouvoir, de façon systématique, oppose les communautés entre elles. Ça n'a pas de sens. Nous pensions que le retour du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui 17 juin, allait vraiment amener le régime actuel d'Abidjan dans l'ère de la modernité, hein, et cesser ses pratiques obscènes, surannées. Parce que c'est dans la jungle qu'on fait ce qu'on voit à Abidjan. Mais dans une république qui obéit à des normes républicaines, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas catégorisés. Où il y a des citoyens qui doivent être protégés par les pouvoirs étatiques et d'autres doivent être ostracisés, doivent être soumis. Donc, finalement, c'est la Pax Francina ou Francia, la paix de la France qui est instaurée en Côte d'Ivoire. Ce que déjà dans la colonisation française, les Français eux-mêmes avaient appelé la pacification, qui a commencé par Madagascar avec Simon Gallieni, Joseph Simon Gallieni, et en Côte d'Ivoire avec Gabriel Engoulevent. La pacification. Le parti unique du PDCI-RDA a utilisé ces mêmes méthodes de pacification quand on a eu l'épuration de 1959, de 1963, etc., etc. Du parti même au sein du parti. Et donc, c'est la paix, la Pax Francia ou Francana, je ne sais même pas comment il faut employer ce mot, mais c'est la pacification française qui continue. Et le régime actuel est une sous-traitance de la France coloniale et impérialiste. Parce que ce qui se passe à Abidjan, je regarde en même temps les chaînes et les médias, n'est pas dénoncé. Hein, parce qu'on devrait même stigmatiser cela. Des populations... Voilà, excellent, David, on nous fait oui. Signe du côté de la régie. Nous avons notre représentant à Abidjan qui va nous donner peut-être des nouvelles fraîches. Vas-y. Armand, bonjour. Oui, bonjour, chers téléspectateurs de ZenTV. Je suis Armand Bowie depuis Abidjan. J'habite moi-même un quartier qui est acquis à la cause du président Laurent Gbagbo. Les choses ont commencé très, très, très tôt là-bas, avec des cas de ramassage de jeunes et de populations qui s'organisent entre elles. Et puis, de l'autre côté de tout Abidjan, ça bouge, ça part de partout pour converger vers l'aéroport international Fouette-Boigny, qui est le premier point d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui, je l'appelle, retourne après 10 années d'exil forcé. Nous avons ce matin, naturellement, quelques déploiements de police pour l'instant, mais pour donner l'ampleur sur l'axe boulevard jusqu'à Destin, on a un peu plus de 1700 gendarmes, selon des sources policières. Je ne compte pas les policiers, je ne compte pas les autres corps habillés. C'est pour dire à quel point l'événement est d'importance. De l'autre côté aussi, à l'aéroport, il y avait déjà ceux qui n'ont pas voulu se laisser compter l'aéroport depuis ce matin.
en tant que conversé depuis très tôt, il y en a qui ont dormi au niveau de Port-Bleu pour se retrouver nez à nez avec le lieu d'accueil du président Laurent Gbagbo. Donc, ils sont sur le terrain de but. Des jeunes qui sont arrivés aussi par ailleurs dans la même intention ont été refoulés par la police. Comment comprendre cela? Bon, c'est pas encore le moment de rentrer dans le dispositif d'accueil. Donc, il y a eu quelques petits échauffourées entre la police et des manifestants. Mais nous pensons que ça rajoute à l'ambiance. Bref, moi je suis au niveau de la queue, je convois tous les confrères qui sont donc venus pour donner une couleur à l'événement. Donc nous sommes en train de partir au fur et à mesure. Je donnerai quelques indications concernant l'ambiance de Armand Bowie depuis. Voilà, merci. Merci. Merci Armand Bowie. Voilà. Nous l'avons perdu. Merci, vous l'avez écouté. Il a essayé quand même de nous donner la couleur de ce grand événement du côté d'Abidjan. Tout le monde en train de converger vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il a dit, hein, depuis hier, il y a déjà des Ivoiriens qui ne voulaient pas se faire compter cet événement, qui ont même dormi à Port-Bouy. Voilà. Et lui. Il y a eu effectivement des petits soucis ce matin entre la police et des Ivoiriens qui allaient donc vers l'aéroport, mais il le dit, hein, tout est rentré donc dans l'ordre et les Ivoiriens disciplinés sont en train d'aller accueillir leur leader charismatique. C'est ce qu'il faut retenir donc de tout ce qu'a dit notre confrère du côté d'Abidjan. Merci Armand Bowie et à tout moment, on peut donc l'avoir pour avoir les nouvelles. Voilà, il nous a rejoint très occupé, mais on lui a dit il faut que tu viennes vite parce que tu as quelque chose à dire. Les Ivoiriens doivent t'attendre. Il s'agit donc de ce grand homme qui n'est plus à cacher, voilà, qu'on appelle le procédurier, parce qu'avec lui, c'est la procédure, avec lui, c'est la tradition. Papa, Baba Nicolo Okosisi. L'eau. Voilà, comment il va, mon frère? Alors, merci, autorité Ananias. Je tiens par ta voix à saluer toute l'équipe du ZTV. J'ai aperçu l'excellence Zadi que je salue, qui est mon copaniste aujourd'hui. Je tiens aussi à dire bien le bonjour depuis l'Hexagone à la Côte d'Ivoire. Et je me porte tristement mal et Ivoire. Ivoiritairement bien. Je me porte comme un Ivoirien qui a mal de ne pas pouvoir se détacher de cette méchanceté occidentale imputée à un homme qui s'appelle Alassane Draman Ouattara, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. C'est là mon peine que, loin de mon pays, à 6000 km, je puis observer que la démocratie que nous avons tant accompagné le président Laurent Gbagbo pour établir, la démocratie qui nous a fait être amoureux de ce grand homme qui a laissé de sa vie, qui a laissé de sa couleur d'homme pour bâtir et avoir le multipartisme aujourd'hui, est empêché de vivre un moment de qualité, un moment solennel, un moment historique, un moment qui sera marqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment mal au ventre, mal au cœur que j'assiste mes frères en Côte d'Ivoire être en train d'être assassinés, en train d'être gazés, en train d'être matés, être en train de voir le sang couler dans ce beau jour qui devait servir de jour mémorable, un jour festif de la Côte d'Ivoire. Voilà comment est-ce que je me sens. En tout cas, en tant qu'Ivoirien, j'ai mal au cœur, j'ai mal à mon ventre et j'ai mal à mon pays. Merci beaucoup, merci. Voilà, il a exprimé, hein, il a mal quand il voit donc ce qui se passe actuellement à Abidjan, là où il pensait que les Ivoiriens allaient danser, être contents, être ensemble pour accueillir donc le leader Gbagbo Laurent. On entend vraiment certaines choses. Voilà, mais Baba Nico, on sait quand même que ce matin, quand vous avez vu les images de votre leader, quand vous avez vu les images du président Laurent Gbagbo dans l'avion à l'aéroport, c'était quand même une joie. Il faut dire que cette joie est ternie, elle était courte et de courte durée. Parce que comme le disait le président Laurent Gbagbo,
à sa sortie exclusive avec un média français. Il prend la parole alors qu'il devait la prendre chez lui. Lui aussi, grand procédurier, respectant nos traditions. Mais il prend la parole pour éviter la catastrophe. Il a aussi ajouté que il pouvait rentrer en Côte d'Ivoire, mais si jusque-là il n'est pas rentré, c'est parce qu'il veut éviter d'arriver dans un pays où il y aura autour de lui des soldats qui le surveilleraient, où ça pourrait créer des troubles. Alors, cette joie a été écoutée de voir que ce vœu qu'il a émis de rentrer en Côte d'Ivoire, être au-dessus de la mêlée, et puis poser les pas et les jalons pour que la Côte d'Ivoire divisée commence à penser les pères de la division pour aller à l'Union. Pour que la Côte d'Ivoire, défigurée par la méchanceté et la noirceur de Ouattara, puisse continuer à humer la fraternité. Malheureusement, on a imposé, dès qu'il est monté dans l'avion, dès qu'il a dégagé cette joie, dès qu'il a réouvert l'espoir en toute la Côte d'Ivoire, on a commencé à massacrer ceux pour qui il s'est tant battu. On a commencé à massacrer ceux pour qui il a jeté toutes ses cartes, il a tout donné. Ceux qui ont aussi tout donné, tout encaissé pour le recevoir. Donc, oui, cette joie était grande, mais elle était courte parce que lui-même, son vœu, est en train d'être entaché par le sang de ses fils, de ses frères, de ses parents, de ses mères qui sont en train d'être blessés en Côte d'Ivoire. Cette joie ne saurait être vraiment grandiose quand je pense que ce monsieur-là a subi, pas pour lui, mais pour la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, Machiavel, avec la main de la France et son support, l'ancien président de la République, Ouattara, et toute son équipe, est en train de ternir. Donc, je ne saurais vous dire si cette joie est confirmée, mais je peux dire que c'est une joie tiède au fond de moi. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre parce que avant de vous avoir, vous nous avez dit que vous n'aviez pas le temps, mais vous allez juste venir pour quelques minutes et repartir. Merci. Si vous avez un dernier mot à ajouter, on va vous permettre de le faire et à tout moment, vous pouvez revenir sur le plateau. Merci. Merci de faire vivre aux Ivoiriens loin de leur pays. Ce moment historique de façon exclusive. Merci à Excellence Zadi pour tout l'analyse, tout le témoignage qu'il a apporté au peuple ivoirien, au président Laurent Gbagbo et à Salut. Merci également à toi, mon tout point, pour tout ce que tu fais. Et tout ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est de ne pas douter, de ne pas douter. Rien de ce monde ne se fait. On ne fait rien dans ce monde. Quelque chose de grand, sans passion, sans détermination et sans amour. Tout ce que je leur souhaite, c'est d'être déterminé aujourd'hui. C'est d'être amoureux de leur pays et c'est de croire, car comme disait le président Gbagbo, l'un droit, ça ne se discute pas. C'est plutôt la paix qu'on discute. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. J'ai vu toute la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui doute de ne plus douter parce que le chef, il arrive. C'est ce que je n'ai dit. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que les ancêtres continuent de raviver la flamme de la détermination, de l'amour, de la combativité à toute la Côte d'Ivoire. Car ce sang qui se baisse est le sang qui va finir par laver l'affront. Ce sang qui va finir par regarder la Côte d'Ivoire. Et c'est ce sang-là qui va effacer nos maîtrises. Que les Africains tout entier sachent que le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui leur fils, leur icône, et il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau spirituel de nos ancêtres, et que Dieu, le Dieu d'Abraham, nous protège tous. Merci beaucoup, M. Anania, de m'avoir invité. Merci. Tous ces Ivoiriens, ils te regardent. Petit, ces Ivoiriens-là, ils te regardent. Tati Nicolas, yo! Tati Nicolas, yo! Tati Nicolas, yo! Est-ce qu'on peut s'applaudir? C'est comme ça, je suis. C'est pourquoi on ne provoque pas. Bien seulement. Je vais dire seulement. N'ayez pas peur. Ils sont un mois. Je peux compter sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà, merci à la régie, merci à Okosisi Babaniko qui tout à l'heure a donc lancé un message très important aux Ivoiriens. Ne baissons pas les bras, levons-nous, allons vers là.
Levons-nous, allons vers l'aéroport, allons accueillir ce grand homme de paix, voilà, qui a fait 10 ans hors de son pays et qui revient un homme libre. Voilà, il faut l'accueillir. Et actuellement, tous ses parents, ses amis sont en train de converger donc vers l'aéroport. Merci, nous sommes sur ce plateau avec Excellence Zavi depuis le début. Voilà, Excellence Zavi qui nous a permis de revivre un peu donc l'histoire en Côte d'Ivoire, l'histoire politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et le président Félicien Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo, Robert Guéï, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Voilà, et c'est Laurent Gbagbo d'aujourd'hui qui a fait 10 ans en prison. Nous allons donc, vous êtes historien, mais on va actualiser le débat un peu. On va actualiser le débat un peu, voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo est dans l'avion, c'est vous-même qui l'avez dit. On est maintenant, je crois qu'on est là il y a plus d'une heure, donc on va dire 3 heures. Parce que quand vous, dans votre introduction, dans vos préliminaires, c'était donc 2 heures. Donc, il y a 3 heures du temps qu'il est dans l'avion. Donc, bientôt, il va atterrir en Côte d'Ivoire. Ici, il est 15h07. À Abidjan, il est 13h07. Son vol, l'arrivée du vol à Abidjan était annoncée pour 15h45, heure locale. Donc, 17h45 ici. Voilà. Excellence a dit, la population de Côte d'Ivoire, les partisans du président Laurent Gbagbo sont mobilisés en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on a vu la vidéo. Des Ivoiriens qui viennent de Mans, ils chantaient même en patois et tout ça. Et vous qui connaissez la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un peu nous donner les couleurs de ce que Abidjan, de que le monde entier va voir à Abidjan? Oui, merci beaucoup, monsieur Dago Ananias. Mais justement, Okosisi l'a dit tout à l'heure, bon, il était pressé, sinon je le salue. Voilà. Donc je disais que c'est ce qu'il disait tout à l'heure, pour dire que cette joie, finalement, n'est plus une joie. Parce que lorsque nous avons vu les vidéos des Ivoiriens qui quittent toutes les régions pour rallier Abidjan, où l'événement se déroule aujourd'hui, l'événement historique planétaire se déroule. Et lorsqu'on voit les images que nous avons vues, où les policiers gazent les pauvres manifestants, enfin, ce ne sont même pas des manifestants, parce qu'il faut dissocier les choses. Ce ne sont pas des manifestants, ce sont les Ivoiriens. Dans leur diversité, les Ivoiriens dans leur diversité, dans toutes les composantes, on l'a vu avec la vidéo, les gens quittent la région de l'Ouest, dans toutes les composantes qui rallient Abidjan et qui veulent à l'unisson et en chantant accueillir le président Laurent Gbagbo. Non, ce ne sont pas des manifestants contre un ordre établi ou bien un ordre interdit ou quelque chose d'interdit. Ils ne manifestent pas pour dire non, nous Excellence voulons... Excellence a dit, la régie vient de nous envoyer un message très urgent. Et voilà, ce matin, il y a eu beaucoup de choses sur la toile et la régie vient de nous dire que Madame Simone Yves Gbagbo, la première dame, vient de s'adresser à la nation. Et tout de suite, nous allons avoir donc le contenu de son message. Allez-y, à mon Dieu, en exclusivité. Oui. Citoyens, citoyennes de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde, depuis septembre 2002, notre pays, la Côte d'Ivoire, a été précipité dans une zone de turbulence qui a connu son paroxysme en avril 2011, avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo et de la mienne. J'ai encore aujourd'hui une pensée émue pour toutes les victimes de ces effroyables crises, pour tous les fils
et les filles de cette nation qui sont encore maintenus en prison ou forcés à l'exil. Je m'en voudrais de ne pas remercier toute cette multitude de personnes de tous horizons et de toutes nationalités qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris une part active dans la lutte pour la sauvegarde de la souveraineté de notre pays. Et la libération du ministre Charles Blé Goudé et du plus illustre des prisonniers de cette crise, le président Laurent Gbagbo. Je continue de croire en la libération prochaine des prisonniers militaires et civils de la crise post-électorale, toujours incarcérés. Nous sommes arrivés au terme d'un combat politique et juridique qui a concerné la nation ivoirienne tout entière, qui a mobilisé l'engagement de toute l'Afrique et focalisé l'attention du monde entier. Ce combat-là, nous l'avons gagné. Et ce jour, le retour au pays de mon époux, le président Laurent Gbagbo, est la conclusion positive et victorieuse de toute cette lutte. Je me rends donc à l'aéroport pour saluer cette victoire, parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives heureuses pour notre nation. Levons-nous de partout et célébrons la puissance de Dieu, notre Dieu, qui par son intervention nous donne cette grande victoire à travers ce retour. Il nous donne la joie, il nous donne le succès, il nous donne la considération. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après donc ce discours historique de Madame Simone Eyibi Gbagbo. Voilà, je vais à l'aéroport pour saluer cette victoire. Oui, Excellence Zadi, on va changer de sujet. Je sais que vous avez quelque chose à dire après avoir donc écouté Madame Simone Eyibi Gbagbo. Moi, je voudrais tout simplement saluer la hauteur d'esprit et la grande vision politique de cette grande dame politique que nous avons toujours connue, que nous admirons, par son courage, sa franchise et sa témérité dans tous les engagements qu'elle prend, pas à son nom, mais au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'elle vient de démontrer. Malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se rencontre, elle se met toujours au-dessus de la mêlée pour trancher dans l'intérêt supérieur non seulement de son parti, le Front Populaire Ivoirien, mais également de toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec toutes les niaiseries que nous avons entendues ce matin, depuis hier, sur les réseaux sociaux, etc., si Mme Simone Gbagbo ne sort pas pour faire ce discours et cette adresse à la nation, mais je vous assure qu'adviendra du FPI et de tout, si vous voulez, de toute la Côte d'Ivoire patriotique. Honneur à cette grande dame, et je pense que sa décision, ou bien ce message qu'elle vient de faire à la nation, est un grand message. Nous saluons donc la grande dame. Oui, merci. Allons tous à l'aéroport pour accueillir le président Laurent Gbagbo, pour saluer la victoire des Ivoiriens, la victoire des Africains sur les forces du mal, comme le disait hier le président Badakani. Voilà ce que je puis dire. Merci, allons tous à l'aéroport pour accueillir donc le leader charismatique, le président Laurent Gbagbo, qui vient donc de gagner, qui vient en joie, qui vient en homme libre. Voilà, et on a gagné quand même parce qu'il faut saluer les journalistes, il faut saluer les hommes de médias, il faut saluer tous les cyberactivistes. Là où on parlait de
sa venue en catimini. Aujourd'hui, tout le monde parle, même les grandes télévisions parlent de l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Voilà, donc ce n'est plus une histoire de catimini. Voilà, on va déjà aller tout de suite à Abidjan pour voir l'ambiance. Oui, vivons l'ambiance du côté d'Abidjan. Voilà, vous avez des images d'Abidjan, la mobilisation est au comble. Tous les Ivoiriens convergent vers donc l'aéroport Félix-Houphouët Boigny pour accueillir le président Laurent Gbagbo, on le rappelle. Merci la régie, merci. Excellent Zadi, ça s'applaudit, hein, ça s'applaudit, excellent Zadi, ça s'applaudit. Voilà, ça s'applaudit. Voilà, on a vu sur la banderole, hein, ils sont venus de Grand Laou pour dire que les Ivoiriens sont venus de partout. Et la chanson me plaît bien. Laurent Gbagbo nous a formés politiquement, on n'est pas formés pour faire la violence. Voilà, Excellence Zadi, je sais que ça vous a ému, hein, ces images vous ont ému. On va un peu vous écouter. Oui, merci beaucoup, Monsieur Ananias Gbagbo. Logiquement, c'est ce que nous attendions. De la Côte d'Ivoire, ce sont ces images festives et ces images, hein, de gaieté, de joie immense que nous entendons logiquement de la Côte d'Ivoire. Mais pas des images où il y a des courses-poursuites entre des gens qui ont des sifflets, des banderoles et qui sont habillés en t-shirt blanc.
On nous a tous dit dans la cosmogonie majeure que le blanc symbolise la paix. Donc, ils sont des gens de paix qui ne sont pas là et leur chanson le dit. Laurent Gbagbo nous a formés politiquement, nous ne sommes pas là pour la violence. Et des gens qui n'ont rien, qui n'ont aucun élément qui puisse créer la violence. Comment on peut leur interdire de se rassembler à l'effet d'accueillir celui-là même avec qui ils ont fait la prison, avec qui ils ont fait corps durant 10 ans, et là où beaucoup, ceux qui sont négationnistes et révisionnistes, ne pensaient même plus qu'il allait revenir en Côte d'Ivoire. Et comme le disait hier Badr Kani sur le plateau de ZNTV, il y a la main de Dieu dedans. Et Dieu a permis que ce monsieur arrive, retourne en Côte d'Ivoire pour donner une seconde chance, une nouvelle chance à la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens à l'unisson, déjà à l'annonce même de son retour effectif en Côte d'Ivoire, les cœurs qui étaient meurtris sont apaisés. Parce que si des gens n'ont pas le cœur apaisé, ne peuvent pas se mettre dans la rue pour chanter, c'est parce que le cœur des Ivoiriens est apaisé. Donc les autorités du régime en place en Côte d'Ivoire devraient saisir cette occasion unique en son genre que Dieu leur offre pour permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver avec elle-même, pour permettre aux Ivoiriens non plus de se regarder en chaîne de faïence, mais de s'embrasser. Et ensemble, nous allons éponger ce que Mme Gbagbo appelait tout à l'heure des décennies de crise pour aller à la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. C'est de cela qu'il s'agit. Donc moi, je pense bien qu'il faudrait que chacun joue son rôle. C'est-à-dire, les autorités du régime d'Abidjan encadre toute cette population, parce que si on a 1700 gendarmes, comme le disait tout à l'heure notre correspondant à Abidjan, 1700 gendarmes, sans compter les autres forces, c'est pour encadrer, assurer la sécurité, comme l'indique leur mission régalienne. C'est pour assurer la sécurité de tous ces nombreux Ivoiriens, même des Africains qui sont venus de partout. Parce que hier, nous avons lu sur les réseaux sociaux que des gens sont venus du Burkina Faso pour accueillir aussi le président Laurent Gbagbo. Certains sont venus du Cameroun, du Congo, parce que ceux qui sont venus de la diaspora d'Europe. Mais c'est pas que seulement des Ivoiriens. Tous ces Africains qui ont épousé durant ces années la cause du président Laurent Gbagbo et qui ont manifesté cela dans la rue, partout en Europe, dans le froid, dans la chaleur, sous le vent, sous la neige, partout, pour dire non. Ce président a été criminalisé par l'impérialisme et il n'a rien fait. Et aujourd'hui, son acquittement, suivi de son retour effectif, prouve vraiment que le président Laurent Gbagbo est un don de Dieu à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Donc, il faut préserver sa vie. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ils ont raison de lui réserver cet accueil chaleureux l'homme de sa dimension mérite, non seulement, mais surtout celui-là qui a vécu le martyr durant toutes ces années, mérite. C'est ça la tradition africaine. Je les salue et je salue leur détermination et leur mobilisation. Voilà ce que je peux dire. Voilà, nous saluons cette détermination du peuple ivoirien. Et l'a dit tout à l'heure, hein, c'est là, Zadi, on avait déjà annoncé les Camerounais, les Burkinabés, tout ça, on va donc dire le peuple africain qui est donc en Côte d'Ivoire pour célébrer la vérité, pour célébrer la paix, pour célébrer la réconciliation. Mesdames et messieurs, vous suivez 2NTV, cette émission, c'est bien l'édition spéciale Retour effectif du président Laurent Gbagbo. Voilà, tout à l'heure, on va donc se retirer pour une heure du temps, mais on répond et vous aurez
sur le plateau Tapé Groubira qui va diriger donc l'autre étape. Il sera aussi là pendant 1h30. Et aujourd'hui, on vous a dit qu'on reste avec vous jusqu'à minuit. Voilà, vous allez vivre l'événement comme si vous y étiez. Donc, tout à l'heure, Excellence Zadi et moi, on va donc se retirer un peu et une nouvelle équipe va monter également. Peut-être vous pouvez encore vous retrouver dans cette équipe. Ben, on aura une nouvelle équipe tout à l'heure, un nouveau plateau. Voilà, pour parler toujours du retour effectif du président Laurent Gbagbo. Ce matin, il a pris son vol. Vous avez vu les images. Voilà, et là, vous voyez des images depuis Abidjan. Tout le monde est mobilisé, tout le monde entend le président Laurent Gbagbo. Voilà, Excellence Zadi, tout à l'heure, peut-être que vous serez encore sur le plateau, mais on va clore cette première partie de notre émission. On va vous demander donc votre mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Ananias Dago, chers frères, chers amis, chers collaborateurs. D'avoir initié ce plateau, c'est à l'honneur de 2NTV qui est au cœur de l'événement. L'événement aujourd'hui, c'est le retour du président Laurent Gbagbo. Et nous l'avons dit qu'il n'y a aucun autre événement qui puisse supplanter le retour historique du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire aujourd'hui, 17 juin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et 2NTV ne veut pas rater cette occasion. Je remercie donc tous ceux qui ont réalisé cette émission, avec à commencer par M. Narcisse Nabo, assisté de Samira Diop, et tous ceux, tous les techniciens qui ont travaillé à cela, tous les correspondants extérieurs qui envoient les images, tous ceux qui ont accepté, comme Okosisi, Baba Nicolo, malgré leur calendrier chargé, de venir sur le plateau pour apporter leur témoignage. Aujourd'hui, nous invitons tous les Ivoiriens, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo descende de l'avion et peut-être après, mais à être sur le plateau de 2NTV pour témoigner, pour dire leur part de vérité dans ce combat historique dont le dénouement est aujourd'hui avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Sur ce, je voudrais dire bravo aux Ivoiriens qui n'ont pas cédé au découragement, aux intimidations. Excellence Zadi, on ne va pas, je crois, on a un coup de fil, on a un coup de fil, donc attendons un peu. Allons-y. Allô? 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 Oui, vas-y. Oui. Abidjan est aux couleurs de cet événement, notamment l'accueil du président Laurent Gbagbo qui vient après 10 années d'exil forcé, 10 années dont 8 ont été passées en détention à la CPI. Aujourd'hui, je dis Abidjan aux couleurs de la rencontre parce que l'esprit de cet accueil, c'est vraiment la réconciliation. Je suis dans un cas qui est journaliste pour l'aéroport et je suis avec presque toutes les tendances. J'ai le jour avec moi, j'ai le nouveau réveil avec moi, j'ai la voix originale, le temps, soir info, tout le corps. De toute façon, pour accueillir l'ancien président, le président Laurent Gbagbo. Je peux vous passer, je peux interroger un confrère journaliste du Nouveau Réveil, non L'expression, c'est une danse proche du Rassemblement républicain de Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Voilà, nous, on voudrait être rassurés ce matin. Allô? C'est une tendance proche de RSDP et je vais bien interroger le confrère qui est avec nous, qui va donc nous dire quelque chose. Oui, allô, je peux parler? Allô? Ok. Bon, c'est Cyril Ba. Oui. Je suis en route pour l'aéroport, accueillir le président Laurent Gbagbo. Il faut dire que
saison, hein, en toute transparence. C'est l'information, c'est l'événement du jour. Alors nous nous sommes tous mis ensemble pour aller pour l'accueil du président et de notre président Laurent Gbagbo. Merci, chers amis, chers collègues. Donc, voilà ce que je vous disais. Toutes les tendances sont là. J'ai dû prendre une des tendances qu'on aurait dû ne pas imaginer avec nous. Mais comme il dit, l'information et le journalisme, c'est l'information. Et l'événement du jour, c'est le président Laurent Gbagbo, Armand Bowie, depuis Abidjan pour Deuxième TV. Armand Bowie, voilà, déjà parti. Voilà, merci. Excellents amis, voici que Armand Bowie. Voilà, oui. Et notre correspondant est donc parti. Voilà, excellent Zadi était donc en train de nous dire oui. Son mot de la fin, mais nous avons reçu des bonnes nouvelles. Hein. Tout se passe apparemment bien du côté d'Abidjan. Nous avons entendu nos correspondants. Voilà, tout se passe bien du côté d'Abidjan. Et tout à l'heure, donc, nous allons revenir pour le nouveau plateau et Tapé Groubera va diriger ce plateau tout à l'heure. Et excellent Zadi était donc en train de nous dire son mot de la fin. Oui, c'est ce que nous voulons voir, ce que notre correspondant Armand Bowie disait tout à l'heure depuis Abidjan. Le fait même d'interroger un journaliste proche du RHDP et qui dit que l'événement du jour, c'est l'arrivée du président Laurent Gbagbo, en toute franchise. Et c'est ça, c'est ce qui devait être le cas en Côte d'Ivoire. Nous saluons cet esprit et bon, c'était peut-être pour intimider les Ivoiriens ce matin, les premières mauvaises images que nous avons eues, mais nul ne peut intimider le peuple de Côte d'Ivoire, qui est déterminé à s'exprimer aujourd'hui pour aller de l'avant. 10 ans, plus de 10 ans, c'est trop. Et à travers cette mobilisation pour accueillir le président Laurent Gbagbo, le peuple ivoirien exprime sa volonté d'aller de l'avant, de faire table rase de tout ce qui s'est passé et aller de l'avant. Honneur donc à ce digne peuple qui est actuellement mobilisé. Et donc, nous sommes à l'écoute de tous. Et en temps opportun, on reviendra peut-être sur le plateau de Deuxième TV pour d'autres émissions. Je vous remercie. C'est pas peut-être, vous aurez, Excellence Zadi, tout à l'heure à 17h00. Voilà, avec lui, vous allez vivre l'événement de l'aéroport. C'est lui qui sera le chef du plateau tout à l'heure. Mais juste après moi, Tapé Groubera viendra donc occuper ma place pour diriger le plateau qui va suivre. À 17h, vous nous aurez tous, hein, on sera tous sur le plateau avec nos invités et pour vivre donc en direct l'événement en Côte d'Ivoire, l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, voilà, on se donne rendez-vous dans 1 heure pour un nouveau plateau. Édition spéciale, retour effectif du président Laurent Gbagbo. Sur ce plateau, nous avons eu Dr Fouabi, nous avons eu Okosse Cissé et Excellent Zadi, moi, votre serviteur, Nadia Dabo. Dans peu de temps, on se retrouve. Merci à l'équipe technique dirigée par le directeur général de Deuxième TV, Narcisse Nabo, assisté par donc Diop, Mademoiselle Diop. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Protégez-les, merci. Protégez-les, merci. Merci. Protégez-les. Ne le laissez pas. Ils sont en train d'attaquer les gens. Merci. Merci. Je vais vous faire pas que Dieu vous bénisse. Protégez. C'est les Akazi. Tous ces Ivoiriens, ils te regardent. Petit, ces Ivoiriens-là, ils te regardent. Là, tu n'es pas là, yo. That's it, Nicola.
qu'on peut s'applaudir. C'est comme ça, Jésus. C'est pourquoi on ne provoque pas. Viens seulement. Je vais dire seul nom. N'ayez pas peur. Ils sont un mois. Est-ce que je peux compter sur vous?